on souffre plus qu'un prisonnier qui est enfermé. Parce que vous avez vu, c'est dans la prison qu'on travaille comme ça. Vous avez vu comment les femmes sont assises. Vous avez vu comment les filles sont. On n'a pas là où on repart les barres. Je suis à Kabylie. Je quitte là-bas à 5h30. Je rentre ici à 8h30 ou bien 8h30. Je suis au Kabylie. Tous les jours, je viens ici. Jusqu'à ici, là-bas, aller-retour, 50 minutes. Depuis que j'ai laissé l'école, au lieu de rester à la maison bras croisés, je suis une femme, je dois travailler. C'est dans ce travail-là que je soutiens toute ma famille et toutes mes petites filles. Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. En fait, si tu as décidé de te lancer dans l'investissement en Guinée et que tu recherches une communauté de personnes qui pensent comme toi et qui veulent réussir leur investissement en Guinée, t'es tombé sur la bonne chaîne. Je me nomme Aimé et depuis 2 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'investissement agricole en Guinée. Actuellement, les actions se passent bien avec des petits problèmes, des petits soucis techniques, mais je te partagerai mon expérience tout le long de l'avancée de mes activités. Donc n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et partager la chaîne autour de toi. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un business tout simple et hyper rentable si tu arrives à bien le mettre en place. Mais je t'en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. On sait tous que la consommation de poissons est hyper généralisée en Guinée. On le retrouve dans de nombreux mets culinaires. Et cela est dû à la présence de nombreux poissons que l'on peut trouver dans les mers de Guinée. On le trouve sous différentes formes, que ce soit du poisson fumé ou du poisson frais. La différence entre le poisson fumé et le poisson frais est basée sur plusieurs points qui sont: pour consommer le poisson frais, il faut savoir le conserver le plus longtemps possible. Et en plus de cela, on est obligé de le consommer vraiment après la pêche, si on n'a pas les moyens de pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Ce qui peut faire qu'on est limité en fait dans la consommation de poissons frais. Alors que le poisson fumé, si le processus de fumage est bien fait, il peut durer très longtemps, on peut le conserver très longtemps. Et en termes de business, c'est un poisson qu'on peut vendre sur une zone géographique assez grande. Et la vidéo d'aujourd'hui portera sur des moyens de vendre le poisson de façon à ce qu'on puisse toucher le plus de personnes possible. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un business qui concerne le fumage de poisson afin de pouvoir le conserver le plus longtemps possible et surtout limiter son périssement. En Guinée, comme je l'ai dit, le poisson est vraiment consommé. Mais le problème, c'est que le poisson coûte hyper cher parce que les femmes qui vont récupérer les poissons à la mer n'ont pas moyen de le garder le plus longtemps possible. Nous allons donc nous focaliser sur la consommation locale de poissons. Comme je l'ai dit, le fait que les mers guinéennes soient remplies en fait de poissons, il y a plusieurs types de pêche que l'on peut trouver en Guinée, qui sont les pêches industrielles ou les pêches locales. En se focalisant sur les pêches locales, c'est-à-dire les produits en fait, les produits de la pêche qui sont consommés par par le maximum de personnes, c'est-à-dire les foyers et les familles en Guinée, il est important de voir qu'il y a moyen de profiter de ce besoin de poissons afin de débuter un business qui est le fumage de poissons. Il existe déjà des poissons fumés qui sont vendus en Guinée, qui sont fumés localement par les femmes en bordure de mer. Il y a moyen de faire évoluer cette méthodologie de fumage afin d'augmenter la production de poissons fumés, de faire évoluer l'environnement sanitaire dans lequel ces poissons sont fumés. Il y a près de 1000 femmes qui sont dans le port de Temneta ici. Parce que ici, d'abord, au port de Temneta, il y a 7 coopératives. Il y a des coopératives qui ont 100, 150, 50, ça dépend. Toutes ces femmes arrivent à supporter leur famille et autres selon le travail. On manque de frigo, tôle, hangar. Il n'y a pas d'argent aussi pour aider les femmes guinéennes. Quand on fume ici, on reste un peu ici. Le reste, on rentre sur le frigo. Quand ça, c'est fini, on sort l'autre aussi.
pour vendre ça aussi. Nous sommes dans des conditions un peu difficiles. Mais comme on peut y s'adapter, parce que c'est le travail qu'on a pu faire depuis des années qu'on arrive à satisfaire nos besoins. Parce que imaginez, quand une femme ne travaille pas, je me dis que ce n'est pas la peine. Donc nous, on est là, malgré que les conditions sont difficiles. Regardez la fumée qui monte. Normalement, c'est quelque chose qui ne se doit pas. Regardez-nous en gare, avec tant de bois, avec de la chaleur. Il n'y a pas de frigo ici, il n'y a pas de magasin ici. Là où on met le poisson, il n'y a pas d'hangar, il n'y a pas de four. Non, on a besoin de frigo. On n'a pas de frigo, ni rien. Vous avez vu, il y a un petit congélateur là-bas. Si on voulait conserver nos poissons, c'est là-bas qu'on conserve. Pas de réservoir, pas de hangar. Donc, dans ce monde de fumage de poissons, il y a plein de petites évolutions qui peuvent être mises en place pour rentabiliser la production, limiter l'effet sur la santé des femmes et aussi faire évoluer tout le processus et avoir une idée assez business en fait de cette activité qui n'a pas évolué depuis longtemps, qui est restée un peu dans les méthodologies de fumage anciennes et pour lesquelles il y a moyen de proposer une évolution. Donc, afin d'apporter une certaine modernité au processus de fumage des poissons, limiter l'effet sur la santé des femmes qui font cette activité, augmenter leur production, améliorer les conditions sanitaires et même limiter le périssement et augmenter les conditions de conservation de ce poisson, je te propose l'utilisation de certaines machines de fumage de poissons que j'ai pu trouver sur Internet et qui sont même fabriqués dans certains pays en Afrique, qui méritent à être connus afin de changer en fait le monde du fumage du poisson en Guinée. Donc, je te montrerai dans la vidéo une machine qui a été créée au Nigeria par des ingénieurs nigérians qui assurent en fait le fumage des poissons et même les sèches. Et je t'en dis pas plus parce que j'étais assez étonné en fait de la façon dont ils ont mis en place cette machine qui permet de diviser par presque 3 le temps de fumage des poissons. Parce qu'on peut littéralement mettre le poisson, laisser la machine faire tout le reste sans pour autant être à côté. Ce qui permet aux femmes qui fument le poisson de s'adonner à d'autres activités à côté. Il y a aussi d'autres machines qui sont encore un peu plus industrielles qui peuvent être trouvées sur Internet et qui peuvent être commandées en fait et qui méritent qu'on y porte notre attention. Génie mécanique de cet établissement public qu'a été mise au point en fumoir moderne, très apprécié des utilisateurs. Le dispositif a plus de 6 composants et 4 différentes chambres. Vous avez la chambre de fumage. Voici les grilles émaillées où on pose les poissons et vous avez ce plateau qui permet de recueillir la graisse. Au fond, vous avez une ventilation qui distille la chaleur et la fumée pour assurer une distribution uniforme de la chaleur. Ça, c'est une jauge de température qu'on appelle thermomètre qui indique la température à l'intérieur de la chambre de fumage afin de permettre de contrôler la température tout au long du processus de fumage. La présence d'une hotte et d'une cheminée procure au fumoir de nombreux avantages. Ces éléments incorporés dans le dispositif du fumoir permettent l'évacuation rapide de l'humidité. Après le nettoyage et la mise en forme, les poissons sont placés directement sur les grilles avant leur introduction dans le fumoir. Le processus du fumage peut alors commencer. Il peut durer entre 3 et 6 heures. Le résultat final est un poisson fumé, séché, très prisé au Nigeria et dans plusieurs pays de la région. Donc, en tant qu'investisseur ou futur investisseur en Guinée, il est important
de voir le monde économique guinéen, que ça soit le monde économique vraiment local, le plus bas du plus bas en fait de l'économie locale, afin de voir quelles sont les brèches que tu pourras colmater, afin de voir dans quel secteur tu peux apporter en fait ton idée et étendre en fait ce secteur et régler en fait le plus de problèmes. Parce que le but d'un investisseur, c'est d'apporter une solution à certains problèmes. Donc, je pense que ce petit monde du fumage de poisson mérite qu'on y apporte certaines évolutions. Et en y apportant certaines évolutions avec les bonnes règles qu'il faut, cela peut être un business qui pourra te faire beaucoup d'argent. Donc, je te demande qu'est-ce que tu en penses de cette idée et est-ce que tu es prêt à te lancer dans cette aventure de fumage de poisson? Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Et aussi, est-ce que tu consommes du poisson? Donc, voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire ou partager cette idée au maximum de personnes possibles pour faire évoluer le monde du fumage de poisson en Guinée et pourquoi pas d'autres secteurs. Donc, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, de partage d'idées, de petites astuces en fait d'investissement local afin que je poursuive mes recherches et que je vous propose le plus d'idées possibles. Donc, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut !